Je crois que c'est la première fois de ma vie où je vois un staff qui fait d'anciens joueurs pour le débannir. Merci. Ouais. Yo les amis, c'est Kel, j'espère que vous allez bien. Je vous prends avant la vidéo pour vous rassurer. Aucun mort dans cette vidéo. Cette vidéo a été tournée par des professionnels ou pas. Juste, en fait, pour vous expliquer en gros, on a puni quelqu'un qui avait arnaqué un compte Minecraft sur notre serveur. Donc un joueur s'est fait arnaquer, entre guillemets, pour être clair. Et on a voulu venger ce joueur. Ce joueur, à mon avis, doit être content. Et donc voilà, si tu veux ce genre de vidéo encore sur YouTube, tu n'hésites pas, tu mets un petit pouce en l'air, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu commentes en dessous, les amis, ton moment préféré de la vidéo, tout simplement. Merci en tout cas. Merci aux joueurs dans la vidéo. Bye bye. Du coup, Carty, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, à une cause là, hier, je devais lui acheter son compte, il était en vocal et tout. Mais là, non, on devait se le prêter. Tu parles après. Oui, ben, l'accusé, taisez-vous. En tout cas, je devais lui acheter son compte. Donc, tu as acheté son compte, c'est ça? Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je passe la monnaie et tout. Et là, oui. Il est convocal et il me dox. Du coup, il m'a couillé quand même. Il t'a dox? Non, il m'a couillé quoi. Il t'a couillé? Les oreilles. Mais t'as couillé, mais t'as rendu des sous quand même. Non, mais non. Donc, c'est pour ça que c'est tout ça des parties là, comme il a pas rendu les sous. Donc, si on comprend bien l'histoire. Pourquoi on en parle? Parce qu'on devrait bannir les deux, parce que la vente de compte est interdite et les deux. Alors, du coup, si j'ai bien compris l'histoire, c'est tu as acheté le compte à Nekoz. Ouais. Il t'a pris l'argent, il s'est barré. Il est venu en vocal, il t'a un peu défoncé. Ah, mais je suis jamais venu en vocal, hein. Non, c'est pas ça le truc. On était vocal de là sur Warcraft et moi je cherchais un compte premium pour les pratiques. Bref, c'est pas le truc. T'as vu, ça revient à la mode, hein, je l'avais dit. Attends, je rectifie juste. Il voulait qu'on se prête le compte que moi j'ai sur Warcraft et lui il est sur les pratiques. Il faudrait que tu fasses la danse Jérusalem filmée. C'est quoi? Hein? C'est quoi là-dedans, Jérusalem? Bah, marque sur Google, Jérusalem. Ah non, mais parce qu'en plus, tu vas mettre sur YouTube. Non, je rigole. Bah non. C'est l'humour. Oh, genre, je me permettrais, putain. Les gars, s'il vous plaît, on va avoir une danse, s'il vous plaît, d'un joueur. Donc, si on peut se taire quand il danse, s'il vous plaît, ça serait beau. Exactement. C'est important pour moi de. Il va le faire là ? Oui, il va le faire. Je crois qu'il est parti, il est chaud. Enfin, non, genre, il est parti pour le faire. Quoi. Nekoz, c'est bon, ce moment, on fait ça pour toi, mec. Comment ? Bah non, le troll pas, il va vraiment danser, mec, t'es ouf. J'ai pas compris. Oui, il va danser là, il est parti. Il est parti chercher son téléphone. C'est ultra gentil, hein. Il est parti chercher son téléphone. Il attend ton staff. Ok, par contre, taisez-vous, parlez pas en même temps. Mouvez-le, c'est parti. Mais tu vas le move tout seul, mon gars. Mais ouais, que là, il est où? C'est quoi cette coordination de staff nul à chier, frère? Mais où? Mais c'est parti avec un. Mais tu dis il est où alors qu'il y a deux ans, tu dis ouais, il est dans ton staff. Mais c'est pas moi qui a parlé. C'est moi qui ai dit ça. Qui est toi? Il est pas dans ton staff. Mais on a la même voix avec Kev, faut pas pousser quand même, les gars. Ok, par contre, on va entendre la musique ou pas? Vous êtes des bâtards. Il entend pas, il se mute. On a pris du temps pour toi là. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je vois un staff qui fait d'anciens joueurs pour le débannir. Merci. Ouais. C'est trop. C'est on est à quel moment de non-respect? C'est bon, t'en as fait assez, t'inquiète. Il est mieux de casque en plus. Regarde, si tu continues dans cette conversation. Oh putain, j'en pleure. Ah putain. Oh non, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Arrêtez-le, le pauvre. Quelqu'un peut mettre sa cam et faire des signes d'arrêter, s'il vous plaît. Vas-y. Oh non. J'en ai marre de mes conneries. En fait, j'ai dit de la faire en entière, les gars, donc là, il s'arrête pas. Hein. Mais il est trop chaud. Non, mais envoie-lui un MP. Il le voit pas, le MP. Le pauvre. Il le voit pas. C'est un. Ouais,
me fait crever ce con. Mais à quel moment on fait faire ça aux joueurs? Mais je sais pas. Ouais, non, mais arrêtez-le. Il est fou, il est inarrêtable. Il est là. Mais vous voyez pas qu'il est content? Regardez, on le rend heureux. Il est tellement content de danser, frère. Mais il est concentré en plus, hein. Regardez comment il est concentré. Il veut pas le recevoir. Bon, bah, Nikos, on t'a fait ta vengeance, hein, du coup. Ah, j'en pleure. Par contre, j'ai bénissé lui quand même. Non, du coup, après on le refoule dans le chaîne de support. Viens, quand tu reviens, tu me dis qu'on laisse bon, finalement, que c'était pas assez bien. Mais il faudrait qu'il arrête de danser là, putain, c'est bon. Kikez-le. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, on a bien fouté évidemment pour éviter que ce joueur ait des soucis. Mais voilà, il faut arrêter tout ce monde de kikoulol là. Tous les gens seront punis de toute façon. Évidemment, d'autres vidéos sont en cours de préparation. Donc, si vous avez kiffé, tu n'hésites pas à liker. Tu n'hésites pas à t'abonner. Tu mets une petite cloche aussi pour recevoir une notification quand je reçois une vidéo. Et n'hésitez pas à venir découvrir PvP Warcraft, les amis. PvP Cheat numéro 1 en France. Ça me fait super plaisir. Très bonne journée à tous.